Quand je pense que c'est à peu près quand mon fils est né, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, presque 11 ans maintenant, j'ai voulu revenir un petit peu sur mon enfance et j'ai voulu en fait, je me suis lancé dans un grand projet un peu ambitieux d'écrire un grand roman-essai qui présente une espèce de philosophie d'enfant. Philosophie à hauteur d'herbe. Et très vite, je me suis aperçu que ce projet n'était pas vraiment tenable, et donc j'ai décidé d'en faire, de séparer l'essai et le roman, et de faire deux choses. Et donc la première, ça a donné ce roman qui va paraître à l'Arbre Vengeur. Ça reste un roman d'amour, sur l'amour d'un père et de son fils. Et la question de la réalité ou de l'identité de la personne qu'on a en face de nous peut se poser par moments dans le roman. Et la question de l'ancrage dans la réalité et dans la vie se pose aussi beaucoup, même si c'est de manière un petit peu abstraite de le dire. Donc, Le Tutoiement des Morts, c'est un roman d'apprentissage en quelque sorte à l'envers, où c'est pas les enfants qui apprennent des adultes, mais c'est plutôt le contraire. C'est les adultes qui ont besoin des enfants pour apprendre ou désapprendre des choses qu'ils avaient mal apprises. Et c'est l'histoire d'un fils, enfin d'un enfant, et c'est l'histoire d'un adulte. L'histoire de l'enfant, c'est un jeune enfant de 2-3 ans qui retrouve son père après une longue absence, et qui découvre dans ce père un homme étrange, inquiétant, mais dont il comprend très vite qu'il a besoin d'aide. Il est étrange, inquiétant, alors d'une part parce qu'au départ, le fils le reconnaît pas. Pas bien, il le reconnaît formellement, intellectuellement, mais d'une certaine manière, il le reconnaît pas intuitivement. C'est comme si c'était un double en quelque sorte. Mais il est inquiétant et mystérieux aussi pour des raisons qui lui sont propres, qui tiennent à sa personne et à ce qui lui arrive. C'est une sorte de savant fou qui a un secret et qui est engagé dans une quête qu'on comprend pas très bien. C'est un psychiatre qui est poursuivi par des soucis financiers, par des huissiers, des soucis professionnels. C'est un inventeur qui compte pour se remettre à flot sur une invention, une machine électronique qui doit breveter le premier. Et c'est un homme qui est accablé par des problèmes, qui peut être sublime par moments, mais qui est aussi misérable, qui en vient à douter de la valeur de la vie et qui a besoin d'aide de son fils un petit peu pour ça. Donc ça, c'est l'histoire de l'enfant. Et l'histoire de l'adulte, c'est l'histoire de l'enfant devenu adulte qui se remémore ce qu'il a vécu avec son père, leur voyage extraordinaire, les retours un peu sombres parfois, et qui va chercher à reprendre à son compte la quête que lui a léguée son père, chercher à comprendre, en se remettant dans la peau de cet enfant, mais peut-être un petit peu mieux équipé que lui. Les questions qui se sont posées sur la nature de ce monde qui les entoure, qui est à la fois difficile et merveilleux, et surtout cette question qui le hante un peu de la valeur de la vie. Voilà. Donc on cherche à y répondre à travers l'histoire du père et du fils et de leur amour. Donc pourquoi écrire un roman quand on est philosophe de profession, et pourquoi écrire un roman philosophique, un roman où il y a une petite place pour les idées, même si elles ne sont pas présentées sur un mode argumentatif, mais plutôt sur un mode ludique et vivant. Je pense qu'une des raisons, enfin la raison principale, c'est que j'ai voulu présenter des idées vivantes. Les essais, c'est un peu comme des fleurs coupées, des fois. On propose les idées mortes. Là, on les donne un peu dans le contexte où elles sont nées, où elles ont vécu, et libre ensuite à l'auteur de les bouturer. Donc les idées sont vivantes et aussi en les donnant vivantes d'une certaine manière. D'une part, on peut mieux les comprendre, mais aussi on les impose pas ou on les impose moins que dans un essai. Dans un essai, il y a quelque chose d'un peu agressif. Finalement, on défend une idée, on vous dit pensez ça. Dans un roman, on propose quelque chose, on présente quelque chose. Libre au lecteur ensuite d'en faire ce qu'il veut.